Sonic in the building. Salut les gars, c'est Sonic, j'espère que vous pétez la forme les gars, que tout va bien pour vous dans votre vie. Écoutez, pour ma part, je vais très bien. Il y a quelques temps, je me suis penché un petit peu sur ma chaîne. Et j'ai remarqué que la vidéo qui avait le plus de vues était une vidéo Eliefort Build. Donc cette année, écoutez les gars, vu que j'adore l'argent et la popularité, on va se refaire une vidéo build sur ce Touquet Next Gen. L'argent. Pour faire un bon Eliefort à la manière Sonic, il vous faut un prénom, un nom de famille, un poste Eliefort, la main droite ou la main gauche et le numéro de maillot, comme tu veux mon pote. La taille, tu vas me la foutre à 6 pieds 7 et si t'es en mesure métrique... 6,07 pieds font 185,01 cm. Voilà. Au niveau du poids, tu le baisses au minimum jusqu'à temps d'avoir 210 livres. Et au niveau de l'envergure, tu me le fous à 6,11, tu poses pas de questions. Et la morphologie, tu fais comme moi en vrai. Tu vas monter le double pas et le dunk en pénétration au max. Et tu vas m'enlever 2 points au dunk pour avoir juste les badges en Hall of Fame. Ça sert à rien d'avoir 93-94. Parce que dans ce touquet, quand t'enlèves 2, tu peux en rajouter 20 après des points d'amélioration, tu vois. C'est vraiment en fonction de toi, enfin, de comment c'est maxé. C'est un bordel. Mais en gros, fais-moi confiance, t'inquiète. Et ensuite, tu vas me mettre le dunk sans élan au max. Et après, la finition, c'est bon, t'y touches plus. T'as 11 badges de finition, frérot. Tu vas monter sur tout le monde. Tu vas déglinguer tout le monde. Au niveau du tir, tu vas maxer le mi-distance et le 3 points. Et au niveau du lancer franc, tu montes juste, bam, point par point, pour avoir 28 badges en tir. Un ailier fort avec 28 badges en tir. Cite-moi un jeu où tu pouvais faire ça. Ouais. Fais trop le mec, alors que j'ai commencé sur 2K20. Le contrôle du ballon et la vitesse avec le ballon, tu me le mets au max. Et la précision des passes, tu l'augmentes. Alors jusqu'à temps d'avoir 20 insignes, c'est largement suffisant. Moi, j'arrive très bien à dribbler avec. Et si jamais t'es habitué à mettre chef d'orchestre, tu rajoutes juste un point, tu vois, pour débloquer le badge chef d'orchestre en bas. Moi personnellement, il me sert pas, du coup je l'ai jarté et je m'en fous. Attends, les qualités physiques. Tu maxes ta vitesse, ton accélération, la force aussi. La force, on s'en tape le cul par terre. La détente, tu la mets à 70 pour avoir toutes les animations que de poster en fait. La détente influe sur tes animations de poster cette année, va comprendre pourquoi. Enfin si, en fait c'est logique, mais nique sa mère, tu vois. Et au niveau de la défense, tu montes tous les rebonds, le contre, la défense extérieure, jusqu'à temps d'avoir 17 badges du coup en défense. Et nous on en veut 18. Hop, du coup on améliore juste un petit peu la défense intérieure histoire d'avoir 18 badges les gars en défense. Donc on est un putain de monstre. On dribble comme un dieu, on shoot comme Stephen Curry, on défend comme Anthony Davis et on dunk comme LeBron. J'ai cité tous les joueurs que je connaissais. Et après les quelques points qui nous restent les gars, on va la foutre dans la détente. 90 de détente, sachant que tu peux avoir chasseur de rebond Hall of Fame, bâton sauteur Hall of Fame, tu peux avoir plein de trucs, finisseur de l'Obsidian Hall of Fame. Cette année, tu peux foutre carrément tous tes badges dans le fame pour ceux qui connaissent pas le jeu. Mais pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez que ce build, il est vénère. En takeover, tu fais exactement comme je te dis, ok? T'inquiète pas, tu me remercieras plus tard. Tu vas me mettre tir improbable. La traduction française, elle est dégueulasse, mais sache qu'en anglais, ça veut dire ankle breaking shot. Le truc avec ce takeover, c'est que si tu lis bien la description, je sais pas si le rendu est bien à la caméra, ça dit augmente vos chances de passer les défenseurs et de réussir un step back ou un tir après un dribble renversé. Moi, je lis passer un défenseur, réussir un step back. Quand tu fais un step back, généralement, tu veux reculer ton adversaire, tu veux t'éloigner de ton adversaire. Et le plus souvent, sur Touquet, ça se traduit par un ankle break. Donc, tu vas me foutre tir improbable, les gars, pour casser des chevilles. Et si après, tu veux être un monstre en défense, tu me mets soit tenaille infernale, soit portée infinie, si t'es vraiment ultra, ultra shooter. Ou alors, soit tu vas me mettre élimination facile pour terminer tous tes gars dans le panier. Donc moi, je suis un peu un bourrin, je mets élimination facile. Et voilà, tu as the MVP Sonics. Là, t'as un vrai build, frère. Là, je te le dis, tu prends ce build, tu mélanges, et là, t'es soin, gros. Là, tu commences le jeu avec ce build-là, là. Bien sûr que tu vas y arriver. Cette année, les gars, il y a une possibilité de faire des builds, elle est hallucinante. Mais ne faites pas comme moi, ne faites pas de meneur de jeu dès le début du jeu. Surtout quand tu as une sauvegarde corrompue. Merci, Touquet. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait un ailier fort. En premier lieu, j'avais fait un meneur. Mais du coup, je me suis retâté à faire un ailier fort parce que, bah, tout simplement, mon joueur avait disparu. Du coup, voilà, je te donne ce build là. N'hésite pas à t'abonner, les gars, si la vidéo, elle t'a plu. Je dis les et après, je dis tu. Il n'y a rien à voir dans cette vidéo. Tu mets le petit pouce bleu, t'actives la cloche si t'es pas déjà fait. Voilà, tu partages la vidéo parce que, voilà, je veux que ça ait des vues, moi. Je veux aider tout le monde. L'argent. Et je te dis à la prochaine. Ciao, mon pote, prends bien soin de toi.